atangi saki makila. Les spectateurs, nous voici ici à Jeffersonville, ici là où le prophète Elijah, le prophète William Aaron Branham a marché. Et nous sommes ici en visite avec l'homme de Dieu, le pasteur Atapis Nyamba. Et avec nous, nous allons un peu savoir la raison de sa visite ici à Jeffersonville, pourquoi il est venu. Et peut-être il est venu pour se préparer pour le réunion des réveils qu'il aura au mois de février. Suivez un peu cette petite interaction que nous allons avoir avec le révérend Atapis Nyamba de l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous vous voyons ici loin de Charlotte. Vous êtes ici à Jeffersonville, le quartier général du message. C'est quoi la raison de votre visite ici à Jeffersonville? Je suis venu pour visiter la tombe de ces grands aigles. Le prophète William Marion Branham, le grand homme dans la ville. Et je suis venu pour mettre un peu de fleurs. Et puis je vais m'incliner devant sa tombe et puis je vais partir. Beaucoup se disent sous William Marion Branham. Oui. Mais pour vous, qui est réellement William Marion Branham? William Branham, il est le prophète de Malachie 4. Il est ce grand aigle que le Seigneur Dieu nous a envoyé. Peut-être voici, je vous enverrai, il est le prophète avant ces jours grands et redoutables. Et nous croyons que c'est grand Élie, c'est le prophète William Branham. Et votre visite s'est seulement limitée ici au cimetière ou bien vous avez aussi visité d'autres endroits? J'étais dans les locales de la Voix de Dieu, j'ai visité et maintenant je suis venu ici pour placer ma fleur et puis je vais m'en aller prier puis dans dans le tabernacle et puis je vais partir. Avant que nous vous laissions pasteur, je sais que vous avez bientôt les réunions du réveil qui vient. Est-ce que c'est ça aussi parmi les préparatifs que vous avez pour le réunion du réveil, vous venez pour un peu recevoir de la puissance ou bien comment? Bon, parce que vous savez. Ça c'est une très bonne question, ouais. Mais nous savons que c'est lui qui nous a apporté le réveil et son corps est ici. Nous savons que là où on avait placé les corps de ces grands prophètes un jour, quoi, quand on a placé notre corps, les ossements seulement qui étaient déjà séchés, mais quand on avait placé ça dessus, ça, les ossements sont revenus à la vie. Ouais. Et je crois qu'il y a encore un ange qui est là, qui peut toujours nous assister quand nous avons besoin de lui. Donc je suis venu mettre la fleur. Donc vous promettez rentrer avec cet ange-là pour les réunions du réveil qui vient là-bas? Je crois que l'onction se transmet. Ouais. Je crois que si j'étais mort et qu'on mettait mes ossements ici, je crois que le Seigneur allait faire un miracle que je me réveille. Ouais. Alors que je suis encore vivant, j'ai encore besoin de Dieu. Donc je vais passer la fleur, je vais partir dans la voie de Dieu. À le tabernacle et je vais prier un peu. Je vais demander à cet ange qui était descendu écrire. Donc tous ces gens ont vu. Je vais demander à cet ange de m'assister pour mes réunions de réveil que je vais avoir la semaine dans deux semaines. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Atangi saki makila, bona ngai, bona ngai, nazomata neti mbongo. Sala maboko boy, ozomata, on y va, monte encore. Plus haut. Alongo na kasoni ya bomo hina yo, ya bomo hina yo. Yeah.
frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et partout là où vous êtes en train de me suivre. Je sais que vous êtes nombreux qui étaient connectés sur www.interpuissingamaministries.org. Vous qui nous suivez sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux, je suis encore venu devant vous aujourd'hui et pour profiter de ces moments dont je suis venu pour la consécration ici, dans le Branham Tabernacle, pour vous inviter de venir massivement dans les réunions spéciales que nous allons avoir sur la Pentecôte, sur le réveil dans l'Assemblée chrétienne de Charlotte, qui est située sur 1208 Commercial Avenue au Charlotte, en North Carolina, 182-05. Ce sont des réunions très, très spéciaux dont le Saint-Esprit va descendre, le Saint-Esprit va venir, il va bénir ses enfants, il va faire de grandes choses parmi ses enfants. Donc je veux que toi aussi tu puisses être parmi les participants. Ne manquez pas ces rendez-vous, ça commence du 8 au 12 février 2017. Que Dieu te bénisse, ne manquez pas ces rendez-vous. Nous t'attendons, soyez connectés, nous serons en live sur notre site internet www.atapisingamaministries.org et vous serez bénis quand vous serez dans ces réunions spéciales pour le baptême du Saint-Esprit. Ne manquez pas, s'il vous plaît, c'est une occasion très très importante pour vous de ne pas manquer d'être là. Invitez quelqu'un, soyez nombreux, connectés sur internet, soyez nombreux, ceux qui peuvent venir, venez sur place. Et les dieux du prophète William Marion Branham, les dieux qui un jour étaient descendus dans cet endroit, il avait dessiné là-bas derrière, la colonne de feu était descendue, il avait dessiné les âges de l'église. Ces dieux-là nous rassurent qu'il sera avec nous et vous ne serez pas déçus. Vraiment, venez nombreux, soyez nombreux connectés. Je crois à ces dieux de William Marion Branham qui a agi ici, qui a ressuscité les morts ici. Il fera de grandes choses pour vous aussi. Soyez nombreux et soyez connectés. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas ces grands rendez-vous. Ne manquez pas cette opportunité d'être béni. Le Seigneur fera de grandes choses pour vous. Venez nombreux et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Atangi saki makila, ah bonangai, nazomata neti mbongo. Sala maboko boy, ozomata, on y va, monte encore. Plus haut. Alongo na kasoni ya bomo hina yo, asalata nanguna. Tango.